Bonjour. Hop là. Bonjour Pony, bonjour RKE, bonjour Stan, bonjour Solo. Bonjour Shadak, bonjour Rétropixel, comment ça va? Jeanne d'Arc, c'est fini aujourd'hui? Non. Non, toujours pas Solo. Toujours pas. Bon courage pour le boulot. Bonjour Voldarion. Bon courage pour le boulot. Ave Julius, bonjour. Non, non, non. En fait, comme les jeux commencent à tout doucement se terminer un par un. Attendez, hop, voilà, sinon je suis gênée par mon fil. Comme les jeux se terminent un par un et que j'en ai beaucoup en cours, je fais des medleys. J'en ai prévu aussi pour la semaine prochaine. Et Jeanne d'Arc, allez. En vrai, si je me débrouille bien, aujourd'hui j'avance bien. Et la semaine prochaine, c'est fini. Normalement. Ah ouais, c'est vrai, je l'ai... Ah ouais, bah non, bah non, bah non, je peux pas mettre Orion Prime, t'as raison, Solo. En fait, t'as raison. J'écoule les stocks, grave. Non, t'as raison, en fait, je peux pas commencer Orion Prime. Non, en vrai, Jeanne d'Arc, si je me débrouille bien, il est bientôt fini. J'ai regardé, j'ai regardé la Solus, pas pour voir comment faire les... Mais oui, j'ai envie de le caser, Solo. Sinon, je le caserai vendredi. Genre, je fais du Legend of Dragoon jusqu'à... 17h et je le commence tranquillement à 18h30, jusqu'à 18h30 vendredi. Ouais, on va faire ça. Hop là. Je vais faire ça. En fait, j'ai fait ça là, vite fait, avant qu'on se... avant que j'arrive. Avant de lancer. J'ai tout fait là. Ouais. Je pense que je vais faire ça. J'ai envie de commencer Orion Prime. Little Briar Rose, il y a des chances pour qu'on le finisse la semaine prochaine. Aujourd'hui, je pense que je serai vers la fin. Si je vois qu'il me reste une demi-heure, on le terminera tranquillement aujourd'hui. Mais normalement, Little Briar Rose, à 100% c'est sûr, tu finis en 5 heures à peu près. J'ai vu, je crois, j'ai 1h30. La semaine prochaine, si je me débrouille bien, il est fini. T'as trouvé un JRPG à l'ancienne sur Steam, c'est vrai? T'as trouvé quoi? Il sort aujourd'hui. Cool! Peut-être je le connais. Hop. Elle est trop belle ma tasse, regardez. Tac, tac, tac. C'est trop la plus belle tasse. Bonjour Darstef, ça va? Bon, c'est pas à moi, faut que je fasse super attention à pas le péter, mais... Legend of Xterra, je connais pas du tout. J'ai mis plein de RPG dans ma liste de souhaits, mais celui-là, je le connais pas du tout. Sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Triangle Stratégie qui sort. Mais j'aurai pas le temps de le faire. Du coup, aujourd'hui, on va se faire tranquillement du Little Briar Rose, coupé par un peu de Jeanne d'Arc, coupé par un petit peu de Tales of Phantasia. Genre, 2 heures de jeu par session. Moins de 15 euros, faudra que je regarde. Faudra que je regarde. Tac. Donc voilà, on va épurer la liste et après... J'essayerai de pas remettre encore 50 jeux en même temps sur planning. Tac, alors attendez, je vais quitter Spotify et je vais lancer Little Briar Rose. Je vais juste faire un truc chez moi parce que comme avec Little Briar Rose, j'ai pas le chat. Je suis obligée de vous regarder sur le côté. Tac, coucou Rodi. Tac, tac, tac. J'espère que ça va, que vous êtes en week-end aujourd'hui, ouais. Moi, j'ai en week-end depuis hier soir. J'étais fatiguée et en plus, j'arrive à 1h30, j'avais pas mangé après le stream. Et là, on m'a dit, hop, 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 faut qu'on parte en activité et tout. J'ai fait, oh non, j'étais pas contente. En plus, c'était pas bien. Bonjour, Choubidoua. Ça va, c'était pas bien parce que j'avais pas envie, en fait, tout simplement. Je pense qu'autrement, je retrouvais ça bien. Allez, je lance le jeu, je suis en plein écran normalement. Oui, et heureusement, j'ai bindé mon stream deck. Ah! Bah alors? Coucou, c'est Jouf. Ah, c'est bon. Oh, bah, il est tout grand. Bah, dis donc. Attendez. Pourquoi il est tout grand comme ça? Allô? Qu'est-ce qu'il me fait?
Mais il veut pas en plus, le bougre. Attendez, tu m'avais dit quoi, ces joufs adaptés à la taille de l'écran ou je sais pas quoi. Comment on fait ça? Attendez, j'essaie j'apprends des trucs sur OBS. Ctrl-F. 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 Ah, il veut pas. Bah. Ah, c'est parce qu'il a mis marble, ce couillou. Attendez, ça c'est vous? Ah, mais il veut pas. Ah, peut-être faut que je le mette en capture de jeu. Bah si, en capture de jeu, c'est ok. Ah, attendez. Si je... Bah non. Bah, pourquoi il le met en tout grand comme ça? C'est Marble qui a tout cassé de tête. Ouais, je pense que c'est Marble. Tout va bien. Tout va bien, c'est bon. C'est ok. C'est tout cassé. Non, mais c'est bon. C'est bon, Shadak. C'est remis. Par contre, Ctrl-F, ça marche pas chez moi. C'est jouf. Ils avaient écouté ton stream à force de râler que ça sert à rien d'arriver à 13h30. Grave. Non, mais en plus, y a pas Legend of Dragoon Rodin aujourd'hui. Non, je peux pas. J'ai trop de jeux en cours. Et du coup, j'ai changé Legend of Dragoon pour Tales of Phantasia, que j'ai commencé hier. Parce que je trouve que 2 heures de Legend of Dragoon, pour un gros RPG, c'est trop court comme session. En ce moment, je fais que bouger les plannings, je suis désolée. Mais je pense que ça va être souvent comme ça. Bonjour Drakechar, ça va? Parce que je fais un petit peu aussi en fonction de ce que j'ai envie. Et Legend of Dragoon, je préfère faire une grosse session de 6 heures. J'ai des envies changeantes. Alors, on était arrivé dans un nouveau truc. Un cercle de fées. Incroyable, c'est exactement comme je les imaginais dans mon enfance. Je me demande si je vais pouvoir assister à l'une de leurs danses. Bon alors, est-ce que ce prince-là, on va le garder longtemps? C'est vrai, non, moi solo, en stream, les gros RPG, j'aime bien les faire sur des très grosses sessions. Normalement, je reçois mon triangle aujourd'hui, ouais. Normalement. Je croyais les fées connues pour leur grâce, elle n'est décidément pas très féminine. Bah oui, mais ça, c'est un prince qu'on a perdu, je crois. Les autres fées m'ont reléguée à la garde des provisions, elles me disent que je manque de la bonne intuition féminine. Oui, ça c'est des princes qui sont morts, et c'est à moi à cela. C'était mes princes. Bonjour Astolate. Ça existe plus chez toi? Ouais, mais en même temps si tu bosses et tout... Vous n'aimez pas? On dirait que ça a été fait spécialement pour vous. Ridicule, ça me fait penser à une bonbonnière kitsch. Oh, vous croyez? Oh, je peux pas boire mon café. Que voulez-vous humain? Ne voyez-vous pas que nous sommes à un moment critique? T'as ton triangle depuis avant-hier? Sérieux? En même temps, moi, je peux pas y jouer avant dimanche. Donc ça va, même si je le reçois que demain, c'est pas grave. Non, ne soyez pas ainsi, vous êtes la première danseuse. Cette couleur souligne vos yeux d'argent. Et qui êtes-vous censé être? Nous sommes très occupés, le festival du printemps arrive à grands pas. Bonjour Swift. Ça y est, je commence à faire des bruits. Eh bien, je pensais que oui, vous devriez essayer. Enfin oui, je comprends vos goûts. Oh non, ça va pas du tout. Je suis tellement désolée, danseuse. Oh, un prince vient au village. Bienvenue à notre cercle de fées. Nous sommes pour le moment très occupés à préparer le festival du printemps. Nous travaillons actuellement sur la robe de la princesse danseuse. C'est tellement difficile de s'adapter au goût de la princesse danseuse. Mais elle a raison, son apparence est essentielle pour la réussite du festival. Parce qu'il va falloir que je fasse une robe. Je vais encore me planter dans les énigmes et puis du coup, il va mourir lui, hein. Quoi, dois-je vraiment porter quelque chose d'aussi rêche? Oh non, 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 vous n'avez aucun goût. Comment osez-vous faire appel à des stylistes? Ma robe a besoin d'un détail aussi brillant que la lumière pâle traversant la cime des arbres lors d'une fraîche matinée de mars. Ah bah ça tombe bien, on est en mars en plus. Mais nous n'avons rien de semblable dans le village. Cherchez quelque part ailleurs alors. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Ah bah super, il va falloir que j'aille trouver une robe. Qui c'est qui fait des robes dans le conte des fées? C'est-à-dire qu'il faut que je retourne voir les nains? Non. J'ai jamais vu une fleur aussi grande. Ouais, il est hyper coloré, il est hyper joli. L'optimisme incarné. J'essaye. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye.
Elden Ring? Non, je suis à peu près, je pense, la seule personne à ne pas avoir succombé à Elden Ring. Peut-être Sejouf, il n'a pas succombé non plus. Qui n'a pas succombé à Elden Ring, d'ailleurs, dans le chat? Est-ce qu'on est encore des petits résistants? Toi aussi, Shadak? Je pense, eux, ils font des robes, non? Nous avons que les choses utiles à l'environnement. Non, je pense qu'il faut que j'aille retourner voir les nains, non? Pas d'Elden Ring? T'as failli bait, pourtant, hein. T'aimes pas les Dark Souls? Moi j'aime bien, mais j'y joue vraiment que très rarement. Toi Dark Steph aussi? Bon, en même temps, si vous êtes sur mon live, c'est que vous êtes pas sur un live de Dark Souls, je crois. Bonjour Snoopy, ça va? T'as sombré? Oh, c'est pas grave Astolat, c'est pas être faible ça, hein. En même temps, c'est le jeu qui était tant attendu. Hein. Bonjour Subakov. Au spoil, on file d'actu Facebook, c'est vrai, Drakechar? Par des gens à qui je n'ai même pas abonné. Oh, c'est nul, ça. Ouais, c'est comme Twitter, Facebook, en fait. Tu vois des trucs que t'as pas forcément envie de voir. Ah, apparemment, les bugs sur... je crois que c'est sur PC, justement, qui sont vachement, vachement problématiques par rapport à la console. Tu regardes pas les streams? Moi je regarde, ça me dérange pas du tout, comme c'est pas un jeu de mon cœur, c'est pas une licence du cœur. Ça me dérange pas du tout du coup. Ah t'as déjà 100 heures! C'est sorti depuis la semaine dernière je crois, non? La semaine dernière ou ça fait déjà 2 semaines? 2 semaines peut-être. Bon alors attendez, faut que je trouve comment faire une robe. Ah peut-être que si, il faudrait peut-être que je retourne voir les stylistes pour voir ce qu'ils en pensent. Ouais, apparemment, c'est très mal opti sur PC. Je suis étonnée, d'habitude, c'est la console qui peine. Bon, eux, c'est mes princes, mais je pense que mes princes que j'ai perdus... ouais, voilà, on s'en fiche. En fait, ils jouent pas avec moi. Ah, mais il y a des pommes qui sont revenues sur la table par rapport à tout à l'heure. Le 25 février. Ouais, donc ça fait une semaine que c'est sorti. Moi aussi, j'aime bien Shadak, ça me dérange pas. Mettons-nous sérieusement au travail. Ah bah voilà, ça y est. Ne soyez pas ainsi, vous êtes la première danseuse, cette couleur souligne vos yeux d'argent. Qui êtes-vous censé être? Nous sommes très occupés, le festival du printemps arrive un grand pas. Oui, mais elle veut une robe, pareche. Ah, ma robe a besoin d'un détail aussi brillant que la lumière, pâle, traversant la cime des arbres lors d'une fraîche matinée de mars. Trouvez-le. Ah, mais j'ai peut-être le détail. J'ai le sentiment qu'elles ne vont pas réussir à satisfaire ses caprices. Est-ce que j'ai des objets qui ressemblent à ça, moi? Une fleur rayonnante? Ça fait penser au matin de mars, ça, non? Excellent! Ah bah voilà, c'était ça l'énigme en fait. Oui, maintenant on se rapproche. Mais comme ça? Ah, je ne peux pas me montrer ainsi au bal. Une robe de printemps doit contenir quelque chose d'aussi lumineux et brillant que la réflexion d'une goutte de rosée du matin au point du jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une goutte lumineuse du point de rosée du jour? Un miroir, non? Oh non, ça va pas. Ah. Ça c'est rayonnant en point de rosée du jour. Vous me moquez de moi? Aïe aïe aïe. Bon, je crois que j'ai pas ce qu'elle me demande. Ouais, c'est la commu, ouais. Je sais que. Bah, j'ai pas pu modérer du Elden Ring parce que les horaires correspondaient pas, mais je sais que mes collègues modérateurs ils se sont fait beaucoup, beaucoup insulter et tout. Je trouve ça pas très cool en fait. C'était très toxique, c'était très bizarre comme ambiance. Bonjour Classe Illusion, ça va et toi? Le partage du premier arceau sur PC, c'était quand même assez vrai? Bonjour Timon. Ah attendez, je crois qu'il y a des gemmes quelque part. Donc là, je cherche des gemmes pour faire la robe de princesse du bal, de la fée. En fait, le jeu, pour ceux qui connaissent pas, se compose en plusieurs petites scénettes qui reprend un peu plus ou moins les contes de fées. Et là, je pense que je suis à peu près au chapitre 3 parce que tu ouvres des mondes en résolvant un puzzle à chaque fois. Le jeu est très chouette et en fait, il n'est pas difficile du tout, il se fait super bien. Bonjour Dokarik, salut!
Et donc voilà, il se fait bien en fait. Hein. C'est comme si on lisait un bouquin. Bon, il faut que je trouve quelque chose qui ressemble à la rosée matinale de je sais pas quoi du mois de mars, là. Où est-ce que je peux trouver? Je pense qu'il y a une gemme que j'ai loupée quelque part. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le jeu. Non, en vrai, je pense que... Ouais, voilà, je pense que les nains, c'est ok. Ah, et on peut mourir, en fait, c'est ça qui est assez cool. Nos princes, enfin, c'est cool, nos princes peuvent mourir, et en fait, on est remplacé par pour le prochain prince, en fait, en gros. Et les princes sont transformés en une créature du conte, en fait. Là, on avait un nain, là-bas, on a des tritons, on dit pas des tritons, comment on dit ? Des sirènes ? La bière de la Saint-Patrick, en vrai c'est ça. Lui c'est un prince aussi que j'ai perdu. Il s'est transformé en poisson. Je pense que je peux plus pêcher. Hein. Et on a eu un instant pêche, c'est jouf, ça y est. On a eu un instant pêche et du coup, ça y est, je sais jouer au jeu de pêche. Hein. C'était la même chose que dans Persona. Il meurt comment? En gros, quand tu n'arrives pas à résoudre, quand tu n'arrives pas à résoudre une énigme, et ben ton personnage meurt. Tu dois, en fait, il est transformé en une créature et tu passes au prochain et tu résous les énigmes comme ça en fait. C'est trop bien. Tu vois là par exemple, je pense qu'à un moment donné va se poser le problème de la fée qui va me poser des questions. Et si je fais pas dans le bon ordre, je vais être transformée en créature et on va passer au prochain prince jusqu'à ce que le prince qui finit le jeu sauve la belle au bois dormant du coup. Alors elle veut quoi? Une robe doit contenir quelque chose d'aussi lumineux et brillant que la réflexion d'une goutte de rosée du matin au point du jour. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Lumineux et brillant qu'une réflexion de goutte du rosée du matin. J'ai rien? Un poisson? Oh, c'est bon, j'en ai assez. Cette année, il n'y aura pas de bal de printemps. Je pense que là, je vais mourir. Elle est pas contente. Oh, voilà. Ouais. Voilà, je suis morte. Je suis morte parce que je l'ai énervée, en fait. Et je me suis transformée en... Voilà, et on va passer à un autre prince. Je suis prince Salim 1 et je sauverai Aurora, la belle, qui dort au-delà de cette forêt maudite. Oh, un nouveau prétendant. Laissez-moi vous expliquer ce qui est arrivé avant de votre arrivée. Donc là, elle est en train de me raconter... elle est en train de me raconter tout ce qui s'est passé avec tous les princes qui ont disparu. Et voilà, nous avons perdu la trace du dernier prince. Nous n'avons trouvé que ses affaires. Prenez-les, vous en aurez besoin pour cette quête. Et donc, voilà, je récupère un autre prince, quoi. Je joue avec un autre prince. Bonjour Mandras. Ouais, il est super joli. Mais voilà, moi je pensais que ça c'était le truc de la goutte de rosée du matin, mais a priori il y a un objet que j'ai pas vu. Vous avez le droit de jouer avec moi pour ce jeu, il n'y a pas de souci. Hein. Le jeu est super facile. Il n'y a pas trop d'énigmes casse-tête à part l'énigme pour changer de zone où tu dois tourner des panneaux pour former un labyrinthe. Et je pense que j'ai loupé quelque chose que j'ai pas vu. Genre ça, c'est pour changer de zone, par exemple. Hop. Peut-être lui, il a quelque chose pour moi, non? Une boîte aux lettres pour un oiseau. Ouais, non, c'est pas ça. Donc là, je reviens vers la fée, vers le début du jeu. Donc pour résumer, on arrive ici. Et on doit construire une cabane pour des nains. L'énigme des nains était pas facile. J'ai perdu 3 princes, je crois. Après, j'ai dû me transformer avec les nains en créature de l'eau, en sirène, pour passer, pour les aider. Parce qu'ils aiment pas les nains. Enfin bref, et du coup, c'est très chouette. Et le jeu est sorti... je crois qu'il est sorti en 2019 ou en 2020. Je sais pas, le jeu est très récent, en tout cas. Mais il y a beaucoup de refs, Timon, ce serait pas impossible, hein. Y a beaucoup de refs. Donc j'ai dû fabriquer cette cabane, en fait, en suivant leur volonté, leurs énigmes. Ouais, ils ont des goûts architecturaux pourris, c'est vrai ça. Il
Et paresseux de triton. Mais je sais pas ce que je dois trouver en fait. Un truc goutte lumineuse de je sais pas quoi là. Je pensais que c'était le miroir, mais pas du tout. Ou alors faut que je récupère des gemmes chez les tritons. Si c'est ça, c'est les tritons. Il doit être un peu fêlé, de quoi? Ah, il est occupé à arroser quelque chose. Je pense que j'en ai pas besoin. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, pour sa robe? Qu'est-ce qu'on met sur des robes dans les contes de fées? Je regarde si j'ai pas loupé quelque chose dans le décor, comme c'est très mosaïque. Moi, bon, à mon avis, il faut que je récupère une gemme. Ouais, genre ça. Là, il y a des gemmes, non? Ah voilà, peut-être qu'une jeune femme comme vous pourrait m'aider. Je cherche un ornement brillant et lumineux pour la robe de la première danseuse. Pour la première danseuse, vous voulez dire? J'aurais bien une idée, mais elle ne semble pas réalisable. Les écailles dorées du roi Triton sont les objets les plus brillants et majestueux que l'on puisse trouver dans notre royaume. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Alors je ne pense pas qu'il se séparera toute seule. Ouais, je pensais au miroir aussi, Drakechar, mais c'est pas ça. Non, du coup, fallait que je prenne des écailles au Triton. Je pensais à ça, mais je me suis pas adressée à la bonne personne, je pense. Votre Majesté, j'ai vraiment besoin d'une de vos écailles. Excusez-moi de vous demander cela. En avez-vous une à me donner? Coucou Acro, coucou Alan, coucou Féo, coucou Silence. Bonjour à tous. Et coucou Alan, merci beaucoup pour le 20e mois. Merci beaucoup. 20e mois, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bonjour Chikoun. Ça galère à écailler un triton, je sais pas, on va voir. Une de mes écailles? Même si vous nous aidiez, je ne pourrais pas vous en donner. Elle représente la plus grande fierté de ma tribu. Seuls les seigneurs tritons légitimes ont le droit de posséder des écailles dorées. Ah, faut que je me transforme en roi, c'est ça? Je suis désolée, prince, mais je ne peux pas vous donner une de mes écailles. Vous voulez quelque chose de brillant pour la première danseuse des fées? Bah, quoi de mieux que les eaux vierges de notre merveilleux lac? J'espère avoir été utile. Bah voilà, je voulais lui donner un poisson. Le poisson, il vient du lac. C'est ok, non? Donc le roi ne veut pas vous donner une écaille dorée? Eh bien, fallait s'y attendre. Au nom de l'aide que vous nous avez apportée, je veux vous offrir une chance de l'obtenir. Apportez-moi une baignoire. J'essaierai de vous aider. Ah, je crois que j'ai ça. Attends, mon grand, j'ai ça, regarde. Une baie ancrée. Tiens. Oh, parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Maintenant, regardez-le, roi paniqué. Ok. Si, regardez, il y a une tache terrible sur une de vos écailles. Oh, par les saints. Comment est-ce arrivé? L'outil, il l'a pas vu devant? Ok. Mon sire, vous devez l'enlever. Vous êtes peut-être attrapé la peste noire. Si vous ne l'enlevez pas, la maladie s'étendra sur toutes vos écailles. Terrible! Éloignez-la, très loin de mes merveilleuses écailles. Sortez-la de ce lac, cette chose ne doit pas être à moins de 100 lieues de moi. Tiens, mon garçon, prends immédiatement cette écaille. Lavez-la bien et elle brillera à nouveau. Oui, bien sûr. Bonne chance, prince. Je devrais peut-être la laver un peu plus loin du roi. Ah, j'ai l'écaille sale. Le pauvre, on lui a volé son écaille, ça doit faire mal, non? Faut que je la lave ici, peut-être, à cet endroit-là. Écaille dorée sale. Ah, je peux pas? Ah si, c'est bon, il y avait un petit... Ok. Vous avez obtenu une écaille dorée. Mince alors, regarde comme elle brille maintenant. On dirait trop le dialogue dans Zelda. Mince alors. Ça doit être pareil qu'enlever ses peaux mortes. J'ai la peau morte du triton, incroyable. Tiens madame, une écaille dorée. On lui dit pas que c'est les peaux mortes. Hein. Ah oui, c'est ça. Il manque encore quelque chose. La jupe doit être fabriquée avec quelque chose de doux et de velouté. Et qui sente le printemps lui-même. Ah bah je pense que le doux et velouté, c'est la rose, non? C'est quoi l'histoire de ce jeu? Alors en gros, ça reprend les contes de fées, Féo. Tu es un prince et tu dois réveiller la belle au bois dormant. Et tu dois résoudre des... je pense qu'on peut appeler ça des panneaux. Tu dois résoudre des énigmes à travers chaque panneau. Et tu as beaucoup de refs aux contes de fées et tout. Donc là, j'étais dans le village des nains. Tout à l'heure, dans le village des tritons.
Là, je suis dans le village des fées, je pense que tout à l'heure, je serai dans le village des trolls, un truc comme ça. Et en fait, si tu n'arrives pas à résoudre les énigmes, ton prince meurt et laisse place au prochain prince, jusqu'à ce que tu arrives à réveiller la princesse Aurora. Donc, je dois avoir perdu au moins 6 princes pour l'instant. Et chaque prince, regarde par exemple, ça ce sont les vraies fées, et en fait là j'ai perdu 2 princes, ils sont transformés en créatures en fait, des contes de fées. Voilà, ça c'est 2 princes que j'ai perdu par exemple. Et c'est assez simpliste, c'est très sympa à suivre, j'aime beaucoup le jeu. Non, non, ça ne va pas! Ah, j'ai encore une chance et après c'est fini. Quelque chose de doux et velouté comme je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Quelque chose de doux et de velouté qui sente le printemps lui-même. Je pense qu'un poisson, c'est pas ça. Hein. Une vieille chaussure. Doux et velouté qui sente le printemps. Bah, à part une fleur, une rose, les pétales de rose, elles sont douces pourtant. J'aurais vraiment pensé que c'était ça, tiens. Ah, peut-être ça. Cette fleur est grande. Oh, comme j'aimerais l'accueillir. Qu'est-ce que vous faites? Oh, n'abîmez pas les fleurs. Son regard est fixé sur moi. Je devrais peut-être la distraire avant d'agir. Ah, attendez. Avec toute cette confusion, je sais que je vais avoir l'air horrible. Oh, si seulement je pouvais prendre un moment pour me recoiffer. Ah bah voilà, yes, attends, bouge pas, j'ai un miroir. Tiens. Veuillez excuser. J'ai entendu votre inconfort et je vous ai apporté ce présent. Oh, avec ça, je vais certainement avoir un aspect décent. Allez, hop. Comme ça, moi, je pique la fleur. Alors, je vole la fleur... pour la redonner à elle. il meurt quand tu fais trop d'erreurs, ouais, Féo. Quand tu n'arrives pas à faire l'énigme sur plusieurs fois, tu dois avoir une chance ou deux à chaque énigme. Parfait, maintenant il ne manque qu'un détail. Oh, nous avons besoin d'un fruit venant du ciel lui-même, doux, aérien et léger. Comment ça, un fruit venant du ciel? Ça n'existe pas, un fruit venant du ciel. Une pomme? Ah ouais, une pomme. Est-ce que j'en ai une? Ah oui, venant d'un arbre. J'ai pas vu ça comme ça. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Alors, attends, je crois qu'il y a un arbre avec un fruit du côté de la fée, non? Ah bah non, j'ai récupéré les baies déjà ici. C'est vrai. Bah ouais, j'avais essayé de la prendre sur la table. La pomme, vous voyez, c'est la ref à Blanche-Neige, par exemple. Il y a beaucoup de refs. J'ai eu un poisson doré aussi. Il me semble qu'il y a un conte avec un poisson doré. Ouais, j'avais essayé de la prendre, la pomme, tu vois, et ça veut pas. Mais je pense que s'il y en a qui ont été posés sur la table, ça veut dire que je peux forcément en cueillir quelque part. Parce qu'elle n'y était pas au début du panneau. Ça s'est rajouté quand j'ai changé de zone. Ah, peut-être que les nains... Peut-être que les nains ont une pomme. Magikarp, le poisson doré. Ah oui, il y avait un jeu Magikarp, le Magikarp doré, là. C'est ça, on est d'accord, Féo, parce que personne dans le chat connaissait l'histoire du poisson doré. Et ça me parlait, il me semblait avoir lu ça quand j'étais jeune, un poisson doré. Ou alors, un champignon que je transforme en pomme? Non, il en veut pas. Il y a un mâton dans l'arbre. Peut-être que c'est ça que je dois récupérer. Hein. Parce que là, ils ont pas l'air d'avoir des pommes. En plus, en soi, le jeu est pas difficile et plutôt logique, donc il se fait bien. Donc je pense que si vous pensez à une pomme, c'est qu'il faut forcément que je trouve une pomme. Après, effectivement, c'est... Ouais, c'est pas un marteau, c'est une boîte aux lettres, en fait. Peut-être que lui, il veut... Il a un œuf. Ah. Non, c'est pas ça. Je pense que le champignon, il me donne pas de fruits. Alors ça, pour l'instant, j'y veux pas. C'est pour changer de panneau. Oui, c'est exactement ça, Féo. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon... Dans le jeu. Je peux plus pêcher. Un fruit venant du ciel. Oui, effectivement, je pense que c'est bien la pomme. Hein. Vous êtes bien malin, prince. Alors peut-être que les tritons, ils ont encore des trucs.
Bon, ça, c'est le prince qui a été transformé, celui-là aussi. Ça, c'est bon, hein. Je pense qu'ici, j'ai tellement réalisé d'énigmes ici que je pense qu'on est bon. Hein. Je vois pas du tout. Parce que ça, c'est le champignon pour changer de zone. Effectivement, il y a bien des pommes ici. Ah, ou alors, faut que je demande à quelqu'un. Pas le parce que c'est les princes. Mais peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'elle me dit sinon? Un fruit venant du ciel lui-même, doux, aérien et léger. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose là. À moins que ce soit au pixel perfect, mais je pense pas. Après, je peux utiliser la fée Baxit, mais ça m'embête. La fée du début du jeu, c'est une fée qui me permet d'avoir un indice au cas où. Bah, cette fée-là, par exemple. Mais je pense que la fée, en vrai, elle va me dire « Tu as besoin d'une pomme » ou d'un truc comme ça, donc ça va pas m'aider. Je vais voir si je peux lui parler, mais je pense qu'elle me dit rien. Je suppose que la première intention c'est de trouver la paix, mais elle est très exigeante. J'interrogerai tous les habitants de la forêt si je le pouvais, juste pour comprendre ce qui lui ferait plaisir. Peut-être que sinon, il faut que j'aille parler aux nains. J'ai parlé aux tritons, mais j'ai pas parlé à tous les nains. Il y a peut-être un nain qui a une pomme quelque part, je sais pas. Une pomme ou une poire, ouais. Je pense que c'est plutôt la pomme, pour la référence à Blanche-Neige, hein. Un kiwi. Je pense que c'est une pomme. Si ça suit les contes de fées, la logique... Ah, attends, il est en train d'arroser quelque chose, lui. Le papy, papy le sage. Ah, alors, vous allez aider à organiser le bal des fées. Oui, en effet. Et vous avez besoin de quelque chose qui rappelle le ciel. Vous pourriez demander à cet oiseau sur l'arbre. Peut-être qu'il pourrait aller chercher un nuage pour vous. Un nuage. Parler à un oiseau? Bien sûr qu'il sait parler, c'est notre facteur, jusqu'à il y a quelques siècles. Il est toujours de mauvaise humeur et déteste parler aux étrangers. Mais avec une bonne motivation, il n'hésitera pas à ouvrir son bec. Ah, donc il fallait bien parler au gars de la boîte... Enfin, au corbeau. Maintenant que j'ai débloqué le truc, il devrait me parler maintenant. Il ne semble pas que le corbeau veuille parler, tout compte fait. Et pourtant, son regard suggère une perspicacité peu mise en avant à première vue. Je dois trouver un moyen de le faire sortir de son silence. Un fromage. Ça passe le fromage comme dans... Ah, un petit poisson, peut-être. Tiens, tu veux? Eh, hey, petit, tu veux du poisson frais? Oh, je suis pas sûre de ce que je fais. Il a pas l'air intéressé. Je vais devoir le lancer dans le lac alors. Je suppose qu'il sera plus utile que sous mon chapeau. N'osez pas gaspiller cette générosité de cette façon. Bah, les humains, donnez-moi plutôt ce poisson. Alors, tu sais parler? Ah, et qui vous l'a dit, humain? Les gnomes m'ont révélé cette information. Est-ce bien vous, monsieur l'oiseau le postier? Un oiseau, bien sûr, le facteur. Plus maintenant, ça fait longtemps. Avec toutes ces ronces, communiquer avec l'extérieur est devenu impossible. Plus personne n'envoie de lettres aux habitants de la forêt. Et pour quelle raison un noble converserait-il avec un simple facteur comme moi? Les sages gnomes m'ont envoyé pour demander une faveur. Si vous aviez la gentillesse de la remplir. Faveur, faveur, faveur. Je suis au chômage, je n'ai plus l'habitude des faveurs. Pas même si les rois et les monarques me le demandaient. Monsieur l'oiseau. Laissez-moi au moins vous donner mes raisons. Ah! Les raisons des autres ne m'intéressent pas. Retournez voir vos amis gnomes et demandez-leur à la place. Bah, mon grand. Ok, faut que je retourne voir le gnome. Donc ouais, c'était pas une pomme, c'est un nuage, carrément. L'oiseau ne veut pas entendre raison. En ce vieux schnock, laissez-moi en occuper. Allons-y. Bah yes. Oiseau de mauvais augure, tout le temps passé à t'asseoir là-dessus, a dû faire frire ton petit cerveau d'oiseau. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, espèce de tic? Pourquoi ne retournes-tu pas à tes danses de poivreau sur les tables avec tes pecnos d'amis? Calmez-vous, ils vont faire un rap ou ça se passe comment?
Regardez qui parle. Dis-moi la vérité, tu n'as pas bougé depuis si longtemps que tes cerfs se sont enracinés dans ce trou. Tu t'engraisses dans l'ennui. Oui, il faut un rap. Commences-tu, petit homme que tu es? Avec mes ailes, j'ai déjà survolé les plus hauts sommets pour livrer toutes vos lettres d'illettrés. Mais je ne t'ai pas vu battre des ailes une seule fois ces 100 dernières années. La vérité, c'est que tu peux plus le faire, mais que tu as trop honte pour l'admettre. C'est ce qu'on dit de moi? Vous discutez de cette calomnie? Et dire que d'autres de vous, qui n'êtes même pas convaincus par la noble intention d'un prince d'utiliser cette masse de plumes sales. Admettez-le, vous êtes infirme. Quoi? Attendez, quoi? Vous allez voir ce qu'il sait faire, l'infirme. Ah, il va aller me chercher un nuage. La barbe à papa, grave! Ouais, c'est des personnages de contes qui ont les meilleurs punchlines de tous les contes de fées. Prenez cela. J'ai un nuage, il est si doux et moelleux au toucher, pas le temps de s'y coucher. Je vous remercie, monsieur l'oiseau. Espèce de gros gnome stupide, qu'est-ce que vous disiez à propos de mes ailes? J'exige des excuses maintenant. Des excuses? Hein? Bon, ils sont copains quand même. Corbeau obèse. C'est trop drôle. Tu as toujours été stupide, tu sais. Tu as inventé de meilleures insultes, fut un temps. Oui, en fait, leur concours de rap, là, c'est quelque chose qui est ancré chez eux. Nous devrions faire cela plus souvent. Nous n'avions pas échangé d'insultes depuis des années. Ah, vous savez me trouver. Prince, maintenant je dois y aller. C'était très amusant, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de n'importe quoi d'autre, venez me le demander. Attendez, prince. Je pense que je mérite ce poisson, désormais. Oui, bien sûr, désolé, voilà pour vous. Je vous remercie de votre aide. Super, je pense que là, je vais changer de zone. Bon, ça c'est bien fait, finalement. Il t'aurait ramené un verre de terre, grave. Mais déjà, comment tu veux garder un nuage dans tes mains? On n'a jamais touché un nuage de notre vie, mais je suppose que ça s'évapore. Parfait, c'est exactement ce que je recherchais. Tous les matériaux que je voulais sont enfin prêts. Maintenant, nous pouvons commencer à la confectionner. Prince, vous vous êtes montré très compétent. Je vous accorde par la présente l'honneur d'être le coordinateur. Gardez un œil sur ces incapables et assurez-vous qu'elles fassent un excellent travail. Dites-moi lorsque vous serez prêt à commencer. Ah, je pense que là, c'est mon énigme où je vais pouvoir perdre beaucoup de princes. Elle m'a pas demandé mon opinion. Êtes-vous prêt, prince? Oui. Va falloir que je confectionne sa robe. Voulez-vous lire le didacticiel? Oui. Aidez les fées à confectionner la robe. Les fées sont de bonnes créatrices, mais elles sont souvent distraites. Dirigez leur travail pour obtenir un résultat de qualité. Chaque fée peut avoir des idées bonnes ou mauvaises. Trouvez les mauvaises idées et chassez-les, mais laissez les fées tranquilles lorsqu'elles ont une bonne idée. Sélectionnez une fée en utilisant le pad circulaire et appuyez sur A, sur la bulle de pensée d'une fée pour chasser les mauvaises idées. Oui, je pense que je dois cliquer tout simplement. Alors... non, on dort pas, et non, on n'essaye pas de tuer la reine. Non. Oui, non, on dort pas. Ah, ça va, c'est facile, en fait. Non, on n'essaye pas de tuer la reine. On dort pas. Ah, ils veulent tous dormir, mais c'est quoi ces fées? Oula. Ça va, c'est facile. Oula. Ça change. Pour l'instant, j'ai pas perdu mon prince. Mais ils veulent tuer la reine à chaque fois, là. Ah, peut-être les têtes de mort, elles peuvent se transformer en bonne idée et je me fais bait. Ça va, c'est facile. Mais en fait, Oh! Inspiration perdue, 0. Mauvaise idée rejetée, 22 sur 25. Fait réveiller, 23. 89. C'est pas mal, non? Waouh, le résultat est vraiment bien! Voulez-vous réessayer? Non, merci. Ça va, facile, easy. Waouh, c'est tout simplement parfait. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Incroyable! Oh, je n'avais jamais vu la danseuse aussi satisfaite de quelque chose. Il était temps qu'elle se décide à essayer nos robes. Qu'est-ce qui lui avait fait traverser l'esprit? Ah, nous sommes couturières, c'est notre métier. Elle aurait dû nous faire confiance dès le début. Mais vraiment, sans l'aide du prince... Merci à qui de droit. Je suis bien contente d'être débarrassée de cette nuisance.
Oh les filles, je ne supporte pas vos jérémiades. Si cela ne tenait qu'à moi, je vous aurais vertu... Quoi ? Je vous aurais vertu de Locke. Merci prince, sans vous le bal aurait été un désastre. Le vœu des fées. Ah, et là je vais pouvoir refaire l'énigme, mais je pense qu'elle est de plus en plus difficile. Et donc de là, je dois réaliser un labyrinthe qui est plutôt difficile, mais t'as quand même le chemin. T'as quand même le chemin qui est dessiné, donc ça t'aide un peu. Alors, le vœu des fées, il est là. Et je vais passer au prochain tableau. Ah ouais, c'est de plus en plus difficile. Donc en gros, je dois tourner les panels de façon à ce que j'arrive là, en fait. Genre comme ça... Sachant que on a le chemin en fait qui nous aide. Donc ça va. Là je suis pas sur le bon. Par contre là je pense que je suis sur le bon. Ouais, il y a juste le dernier. Il est plus facile que le dernier celui-là. Quoique en fait. Non, j'ai rien dit parce que de mon côté c'est bon mais pas de l'autre. Ouais, c'est pas bon. Ça, c'est plus dur. Mais j'aime bien, je trouve ça cool. Peut-être c'est plus comme ça. Non, bah non, ça va pas. Parce que du coup, ça repart pas par là. Bah là, c'est pareil, en fait. Ah, peut-être ici, c'est bon. Pas du tout. Et là ? Là, ça a l'air ok. Faut que j'en trouve un qui parte, qui est ouvert. Qui s'ouvre là. Ça doit être celui-là, hein. Bah non, il est à peine ouvert. Non, ou alors... Là. Là, je pense qu'on est bon. Ça m'a l'air ok. Je pense que c'est un peu comme attraper du brouillard, attraper un nuage comme ça. Ça va. J'ai trouvé l'autre plus difficile la dernière fois. Bon, en même temps, t'as le chemin qui se dessine pour t'aider, donc... Je crois qu'on finit le jeu après, non? Il y a l'air d'y avoir un quatrième champignon et après, c'est fini. Peut-être que je peux finir le jeu avant 11h. Il y a moyen. On va essayer de le terminer avant 11h, ce serait cool. Ah, les Sprigans ! Beaucoup disent qu'ils sont dégoûtants et rancuniers. Espérons qu'ils ne jouent pas à un de leurs mauvais tours. Donc j'ai... Bah lui, c'est mon ancien prince, du coup, qui a été transformé. Il y en a un qui a faim, là. Le déjeuner est encore loin, mais j'ai déjà faim. J'ai demandé au cuisinier de préparer quelque chose, mais comme d'habitude, il a commencé à jouer avec la nourriture à la place. Oh, c'est lui, le cuisinier, qui joue. Bah, il s'arrêtera tôt ou tard et cuisinera quelque chose, même si cette bouillie qu'il nous donne tous les jours. Il a l'air occupé, laissons-le tranquille. Bon, je pense qu'il va falloir que je fasse à manger. Bienvenue au village des Sprigans. Hop, 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 n'hésitez pas à profiter de mon spectacle. Il jongle avec des... Des pommes? Ah voilà, les fameuses pommes. Je pense qu'on va devoir aller en récupérer chez les fées du coup, vu qu'on en a vu aussi. Des étrangers viennent-ils aussi voir le bal du printemps? Je vois, c'est assez évident. Après tout, la première danseuse est une vraie star cette année. Vous n'auriez pas pu choisir une meilleure âne, et je vous l'assure. Et elle aura des parties entières en solo sur une scène bien en vue. Oh, elle est si belle, tu sais. Oh, si seulement... Mais non, je peux pas. Ah, quoique... Si, peut-être que j'ai une chance... Oh. Laissez-moi seule, je suis trop triste présentement. Oh, il est amoureux de la fée. Peut-être qu'elle apprécierait des canaris farcis à la paille. Oh non, trop sinistre. Peut-être qu'un groupe de centrales fraîches fait l'affaire. Qu'est-ce que je dis, c'est une fée. Pas une esprit grand. Toi, tu portes des vêtements merveilleux, tu sais. Vous êtes styliste, artiste. Qu'est-ce que t'en penses? Que dois-je faire? Je vous suis pas, monsieur, vous avez l'air plutôt perturbé. Quel problème vous ennuie?
Oh, c'est pas évident. Ma merveilleuse fée se produira devant tout le monde. Et ils tomberont tous amoureux d'elle. Je ne peux pas le permettre car je l'aime bien depuis bien avant eux. Mais elle ne l'imagine même pas. Tu n'as jamais avoué ? Je dirais, monsieur le styliste, vous me voyez, je suis un sprigant, fier et impitoyable, mais plus grumeleux qu'un tubercule. Comment pourrais-je venir à elle et espérer une caresse sur ma peau rugueuse ? Et les dents ! Mes dents sont parfaites pour mâcher les punaises, mais comparées à son sourire, elles ressemblent plutôt à un enchevêtrement de branches sèches et jaunes. Oh non, c'est évident que je ne vais pas avouer mon amour. Et pourtant, je sens que c'est le moment d'essayer. Je me creuse la tête avec des cadeaux et des mots à donner, mais je suis toujours dans une situation désespérée. Malheur à moi! Misère! Et malheur à moi! Tu as essayé de connaître ses goûts? Je n'ose pas m'approcher pour le découvrir. Si elle me voyait, elle s'enfuirait, c'est sûr. Mais vous! Vous pouvez m'aider. Vous êtes royale, bien habillée, et colorée aussi. Découvrez-le et dites-moi ce qu'elle pourrait aimer, s'il vous plaît. Aidez cette pauvre âme. J'ai besoin de votre aide pour préparer un plan. Vous avez un plan, alors? Oh, oui, bien sûr. Alors tout d'abord, je veux me montrer avec des vêtements de sa couleur préférée pour faire bonne impression. Alors je lui dirai des mots doux pour l'enchanter. Et enfin, je l'inviterai à dîner, à goûter une douceur sprigant. Vous savez très bien ce que vous voulez. Pourquoi aurez-vous besoin de mon aide? Parce qu'elle ne sait pas quelle est la couleur préférée de ma douce fée. Je ne sais pas, pardon. Ni comment cuisiner ou écrire de la poésie. Oh, je serai condamnée à la tristesse si vous ne m'aidez pas. Bien, je vais voir si je peux me renseigner à votre place. Vous serez mes oreilles et mes yeux, monsieur, l'artiste styliste. Merci. Oh, je ne suis qu'un prince, pour être honnête. Styliste et prince à la fois. Vous avez pris du grade en très peu de temps. Oh, bref, si seulement j'avais ce talent. Cela n'a pas d'importance. Faites comme si je n'avais jamais rien dit. La couleur préférée de ma fée, c'est ce que j'ai besoin de savoir. Les fées qui confectionnent ces vêtements devraient le savoir. Viens me voir, dès que tu as du nouveau. Oh, dis donc, il était bavard, lui, hein. Salut, un télo, ça va? Bon, attends, il y a quelqu'un qui tricote un truc... Bouger santé, qu'est-ce que c'est que ça? Je chante pas, hein, c'est mort. Coucou Kongu, ça va? Bon, faut que j'entende voir les fées pour demander... En gros, ma prochaine mission, ce sera de confectionner un vêtement pour le sprigant, ok? Donc, les fées... Faut trouver sa couleur préférée. Je suppose, en vrai, vu que j'ai encore une rose et tout, à mon avis, je vais devoir jouer avec ces trucs-là. Et bonjour, Voitz. J'espère que tout le monde va bien. Mes excuses, prince. Les derniers préparatifs me prennent tout mon temps. Elle a plus de miroir. Je suppose que je peux lui demander à elle. Veuillez excuser cette imprudente question. Auriez-vous l'amabilité de me dire, uniquement pour information, quelle couleur un prétendant devrait-il porter pour impressionner la première danseuse? Que la première danseuse cherche-t-elle chez un prétendant? Oh, c'est évident, elle désire qu'il soit habillé en bleu ciel, une couleur délicate qui siérait à sa grâce. Bleu ciel, bah tiens, voilà, on va raqueter sa robe, elle. Pardonnez-moi cette question effrontée, pourriez-vous par hasard me parler des attentes en amour de la première danseuse? Mais je peux pas parler au nom de la première danseuse. Elle a pas tort. Et toi, tu sais quelque chose? Pardonnez-moi cette question effrontée. Pourriez-vous par hasard me dire, simplement par curiosité, la couleur qu'un prétendant devrait porter pour impressionner la première danseuse? Traditionnellement, quiconque désire prendre une fée pour épouse se doit de porter des vêtements verts pour honorer le feuillage des arbres et les jeunes brins d'herbe. Bah voilà, elles sont contradictoires en plus. Cette tradition remonte à plusieurs siècles et beaucoup de fées ont trouvé le véritable amour de cette manière. Seuls ceux qui sont dignes d'une fée et savent comment partager son monde peuvent espérer partager le même amour. Sans quoi la forêt elle-même leur sera hostile et une tragédie leur tombera dessus. Vert ou bleu ciel, du coup? Tu m'as menti, toi? Je ne suis pas très versée dans ce domaine. Je ne voudrais pas dire quelque chose qui... Non, c'est pas grave. Je suppose que si je lui demande à elle... Faut que je trouve quelque chose de vert. Mais je pense que je dois aller lui faire un rapport. Et il va me demander de lui rapporter un objet, je pense. Hein. C'est où? C'est par là, du coup, maintenant. Ça va, le jeu vous plaît quand même?
Moi, je trouve très cool à jouer. Après, regardez, je sais pas ce que ça donne. Tu as trouvé la couleur préférée de ma douce? Les fées qui font des robes doivent savoir. Oui. Je pense que je sais, oui. Ok, donc quelle couleur devrais-je porter? J'ai peur de lui dire des bêtises en vrai, mais je pense que le vert, c'est la bonne réponse. Hein. De toute façon, je vais perdre mon prince et puis tant pis. Hein. Oh, mais c'est ma couleur préférée! Ce doit être un signe. En même temps, il est tout vert, heureusement. Maintenant, je devrais m'acheter une robe de couleur. Dans notre village, nous avons un excellent tailleur sprigant, mais... S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Allez commander ma robe à ma place. Je ne veux pas que la rumeur se répande de trop. Ce sont de bons amis, mais ils n'ont pas de tact. Ils gâcheraient tout immédiatement. Voici mes mesures. Dites-lui que c'est pour un ami. Un ami petit. Alors, donc c'est lui le tailleur, je suppose, hein. Bonjour, monsieur le tailleur. Je voudrais commander une robe pour un ami. Un ami un peu court. Il n'y a pas de meilleur tailleur que le tailleur Sprigant de la forêt enchantée. Je fais toutes sortes de travail, robe, couverture, oreiller, cape. Quant à votre système de drainage, ne désespérez pas. En seulement une demi-journée, je réparerai à un prix avantageux. Vendu. Non, merci, merci. Vraiment, je n'ai besoin que d'une robe. Ce sont les mesures. Bien sûr, oui, je vois. Un costume élégant pour les personnes courtes. Parfait, j'ai juste besoin de plus de détails maintenant, tu sais. Votre ami, il a 3 ou 4 bras, ce n'est pas indiqué. Bah il en a 2, hein. 2. Je vois, bah celui qui a rempli les notes était vraiment vague, alors je suppose que vous devriez, que vous voudrez le coup sur le côté, j'ai raison. Comment ça, le coup sur le côté? La tête se trouve en haut, il a une tête normale. Je sens qu'il va falloir que je troll pour qu'il me fasse un mauvais truc. Ah, je vais vous dire, je vais me débrouiller. Vous inquiétez pas, revenez plus tard pour votre robe et ensuite vous me direz ce qui vous dérange. Hein? Laissez-moi travailler, soyez silencieux. Je préférerais que vous ne réveillez pas le chiot dans ma petite grotte. Je suis confus, mais je ferai mieux de laisser travailler. Bon, je retourne le voir. J'ai commandé vos vêtements, mais je ne sais pas si le tailleur fabrique une robe ou une œuvre d'art abstraite. Merci, prince styliste. Votre aide est inestimable. Maintenant, je devrais trouver une bonne recette pour l'inviter à dîner. Si j'arrive à lui faire goûter un plat délicieux, elle pourrait changer d'avis sur les rumeurs, disant que nous, les Sprigants, sommes dégoûtants. Vous êtes donc cuisinier? Pas du tout. Je n'ai jamais cuisiné de toute ma vie, c'est pourquoi j'ai besoin d'une recette. Commencez en beauté. Tu dois voler une des recettes secrètes du cuisinier. Une de celles qu'il ne dévoile qu'au concours de cuisine. Un concours de cuisine! Ce bouffon ne se soucie jamais assez de cuisinier. Quelque chose de décent pour nous. Mais c'est un excellent cuisinier, quand il le veut. Je pense en vrai on va faire un concours de cuisine tout à l'heure. Le tag doublage! Oui. En même temps, je préfère le mettre, le tag doublage, parce que comme je fais beaucoup de jeux bavards, dont celui-ci, vaut mieux que je le mette, comme ça les gens savent que je lis les dialogues. Oh, serais-je trop distrayant si je vous posais des questions? Pas du tout, je m'entraîne pour la foire de l'an prochain. Je vous servirai de décile-part, accompagné par l'art, de l'animation et de l'habileté. Parler avec vous sera une excellente formation. Merci mon Dieu, je voulais vous interroger sur quelques secrets de votre cuisine. Vous savez, je suis ici pour sauver la princesse, mais je pourrais bien profiter de l'occasion pour apprendre quelques recettes typiques de votre peuple. Ah, pas question. Ne le prenez pas mal, prince. Mais je ne peux pas être distrait à ce point. Vous voyez, je veux assurer mes victoires au concours de cuisine de l'année prochaine. Le garde du roi Triton est le champion invaincu. Ces jeux d'eau sont à la fois virils et élégants. Je vais devoir m'atteler à la tâche, si je veux concourir contre une telle habileté. Vous ne seriez pas capable de me donner le moindre conseil? Vous vous en souciez tant que ça, vous me faites passer pour un serpent qui couperait vos ailes culinaires. Je veux dire, je suis un serpent, mais savoureux et bien assaisonné. Je ne peux pas être sourd au désir d'un jeune cuisinier. Allez voir le garde du roi Triton et trouvez comment il est devenu si bon. Nous échangerons un secret pour un autre, prince. Ok, faut que je retourne voir le garde du roi Triton. Les tritons, c'est par là, je crois. Le centre de l'orientation. Son garde, je suppose que c'est lui.
Bonne journée, je vous ai déjà remarqué avant. Vous gardez votre roi sans cesse, votre discipline est impressionnante. Vraiment, prince, cet avis a vraiment un certain poids, étant donné votre position. En fait, oui, je protège le roi toute la journée, mais je ne m'en plains pas. Le roi est une figure importante pour notre peuple. Il doit être à l'abri de tout risque. Avez-vous voué toute votre vie à cette mission? Quoi? Vous me demandez si je fais autre chose? Bien, pas en service. Jamais en service. Mais à vrai dire, oui, je me consacre aussi à d'autres activités. Je ne sais pas si cela peut intéresser un prince. Ne dites pas cela, bien sûr que je suis intéressée. La hallebarde avec une lame en forme de poisson, c'est stylé, hein? J'aime trop les détails du jeu, il y a plein de choses, c'est trop cool. J'aime être un artiste. Je ne veux pas dire comme un peintre, mais un acrobate. Chaque automne, une foire a lieu dans la forêt. Des jeux athlétiques sont également organisés. Et je m'occupe des compétitions d'acrobatie. Je ne veux pas me vanter, mais j'en suis le champion à contester pour la 3e année consécutive. N'est-ce pas une belle réussite? Vous avez gardé le titre depuis si longtemps. Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, prince. Mon travail m'a appris la discipline et mon dévouement m'a donné du talent. De plus, je ne lâche jamais mon casque. Ça m'aide beaucoup à maintenir l'équilibre pendant mes performances. Ah, il va falloir que je lui fabrique un casque. J'espère pouvoir visiter la foire l'automne prochain. Si vous y arrivez, je serai honorée de votre présence. Bon, il va falloir que je lui fasse un casque. Et si j'en crois la logique du jeu, j'ai quelque chose là qui pourrait ressembler à un casque, genre un coquillage. Il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Étant donné que le jeu est plutôt logique, ça va. Il est assez simple. Assez ligne droite, je trouve. Je pense que je vais devoir lui dire... lui, du coup. Alors, vous l'avez appris, le secret que vous l'avez découvert? Je crains de pas avoir grand-chose à dire. Il n'est rien de plus qu'un triton s'entraînant avec dévouement. Il a avoué tout de même que son casque l'aide à garder l'équilibre. Je ne sais pas si... Incroyable! Comme je m'y attendais. Je ferai un coquille-casque, dès que possible, un coquille-casque. Et en ce qui concerne la recette? Bien sûr que oui, allez au chaudron et suivez avec beaucoup d'attention mes instructions. Vous voulez dire, que dois-je cuisiner? Qu'est-ce qu'un cuisinier ferait? Bien sûr qu'il le faut, en route pour le chaudron. Vous pouvez juste me donner la recette, non? Je n'en connais pas, j'improvise toujours, me laissant guider par l'instinct. Je vous dirai étape par étape ce qu'il faut faire, mais suivez-moi rapidement, ou ce sera un désastre. Lorsque vous êtes prêts, rendez-vous au chaudron. Ok, donc là, on va faire la cuisine. Si je me plante, je change de prince. Coucou Margot, ça va? Ok, carottes, nananana. Bon, je suppose que je vais devoir mettre les ingrédients et que je touille et que je mets le feu. On lit pas le tuto. Je vais pas lire le tuto pour une fois. Et ça, c'est quoi? C'est un navet, non? Une pointe de poisson. Excellent. Le feu, augmenter le feu, ok. Remuer le mélange pendant 10 secondes. 3. Oh merde, faut que j'attende 10 secondes. Bah oui, en même temps c'est marqué. Je vais perdre mon prince, hein, c'est sûr. Une pointe de carotte. Ça c'est quoi? C'est une patate? Ça c'est une patate, hein. 7 secondes. 5, 6, 7. Pour la pirouette, je fais pas. Soufflez sur la soupe. Ah, je peux pas. Les oignons. Ah, c'est un oignon. Je crois que c'était un navet. J'ai voulu en mettre 2. 3 secondes. Vous semblez distrait. Il le sait que je regarde le chat ou ça se passe comment? Mettez un peu de poisson dedans, ok. Augmentez le feu, d'accord. Je pense qu'il va accélérer sur la fin, non? Ah, je peux pas rebaisser le feu s'il faut, d'accord. C'est bon? Ça aurait pu être mieux. Ouais, je vais recommencer. Il fallait cuisiner le cuisinier pour faire de la cuisine. Grave, c'est trop ça. Grosse crève carabinée. Oh non, courage, courage Margot. C'est trop chiant de travailler quand on est malade comme ça.
Moi ça va, je suis en week-end aujourd'hui, donc j'ai plein de trucs de prévu ce week-end, ça va être trop bien. Aujourd'hui j'ai une grosse journée, demain aussi, mais ça va être cool. En plus j'espère qu'il va faire beau, c'est surtout ça en fait. Alors le feu. C'est la même recette en fait à chaque fois. Oui c'est la même recette. Je me suis pas fait avoir cette fois. Voilà. Hop. Une pointe de patate. Là, il va me demander de rumer pendant 3 secondes ou 7 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le même truc, en fait. 5, 6, 7. Bon, normalement, ma recette, elle devrait être OK, hein. Je pense que je peux pas souffler, hein. C'est un prank. Les oignons. 3 secondes de remuage. 1, 2, 3. Et hop. Le poisson. Et après, je crois que c'est bon, hein. Ah non, le feu. Et là, il raconte sa life. J'avais pas fait ça. Cela me fait saliver. Êtes-vous satisfait du résultat? J'avais pas mélangé sur le dernier truc. J'avais pas vu. Ok. Bon, ça a l'air ok. Quelle belle odeur! Nous avons réussi, prince. Je nommerai ce plat la friandise royale. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait, pour être honnête. J'ai reçu la recette de la friandise royale. Même les invités au palais les plus difficiles s'en délecteront. Maintenant, je n'ai plus qu'à donner la recette au Sprigant. Donc, du coup... Hop là. Il en veut pas? Ah non, c'est ce Sprigant. Oh, je suis trop bête. J'allais le donner au mauvais. À lui. Coucou, Aflux. Ça va? T'es sur Legend of Dragoon, du coup? Du coup, aujourd'hui ou ce week-end, t'y retournes? Le Doliprane va me redonner un coup de fouet pour faire ce que j'ai à faire. Ouais, le Doliprane, ça fait du bien quand t'as la crève, mais ça dure pas longtemps, je trouve. Querelle de coupe des patrons? Ah ouais, puis toi tu te retrouves au milieu. C'est horrible quand c'est comme ça. T'as pris la sauvegarde du marathon, et du coup, vous le continuez ou c'était juste sur un week-end? Je pense que j'ai trouvé la recette parfaite pour vous. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, je le lis actuellement. Tout s'explique. Et voilà, vous devez servir cela chaud pour préserver sa saveur. Parfait, on y arrive. J'ai le sentiment que j'ai déjà beaucoup plus de chance qu'avant de charmer ma dulcinée. Maintenant, nous devons trouver un mot gentil à lui dire. J'aimerais l'impressionner, la comprendre. Lui faire savoir que nous sommes complètement d'accord sur tout. Ah, c'est là que je pense que ça va se corser. Et essayez d'estorquer à ses amis ce qu'elle aime, ce qu'elle pense. Comme ça, je ne la décevrai pas. Comment puis-je savoir qui sont ses amis? J'avoue, peut-être les fées, elles sont jalouses en vrai. Je ne sais pas, peut-être qu'en se promenant et en demandant à tout le monde, je suppose qu'ils le sauraient s'ils étaient amis avec une belle fée comme elle. Je le saurais, moi, sans aucun doute. Et rappelez-vous, prince, j'ai besoin que vous trouviez un cadeau convenable pour le rendez-vous. Oui. Dimanche 13... 13 mars? Et du coup, pourquoi tu farmes à Flux? C'est trop tendu? Ah ouais, tu farmes pour assurer le marathon, c'est ça? Peut-être en vrai, le facteur, il livre des lettres. Peut-être il a des lettres pour la fée, non? Le vert. Le bleu. Non, j'espère que je me suis pas plantée, hein. Ah, les tenues rouges! Oh non! En fait, en gros, c'est à moi de choisir la couleur, quoi. En fait, il y en a une qui dit bleu, l'autre qui dit vert et l'autre qui dit rouge. En fait, fallait les croire. Ouais, quand même, il a dit que c'était étrange. Eux, c'est des fées alternatives, donc non. Peut-être en vrai, le corbeau. Le corbeau qui livre des lettres, peut-être qu'on saura qui est son copain. Heureux de vous revoir, prince. Encore une de vos requêtes absurdes, hein? Qu'est-ce qu'une stupide fée pourrait aimer? C'est trivial. Ah, des fleurs. Vous savez déjà où trouver une chouette fleur, n'est-ce pas? Ah, j'ai une rose. À la limite, je vais quand même aller voir...
Ah, vous faites les boss optionnels et du coup, ils sont durs. J'en ai pas trouvé, moi, je crois. Je peux pas lui voler la fleur qui l'arrose, mais bon, j'ai une rose dans mon inventaire, ça devrait le faire, je pense. Je pense qu'ici, les gnomes, en vrai, ils s'en fichent maintenant. Je pense que j'ai plus besoin d'eux. Ah, êtes-vous par hasard amie avec la première danseuse? Je n'ai pas compris le lien entre les deux phrases, mais elle, absolument, nous partageons tellement de choses et nous avons les mêmes goûts artistiques. De plus, je lui demande souvent de poser pour moi. Ah, cela me rappelle une anecdote d'il y a quelques jours. C'était un jour humide, un de ces jours qui inspire l'art. Vous savez, prince, l'art est profondément influencé par la météo. L'autre jour, en fait, mon coude était si mouillé que je ne pouvais même plus dessiner l'un de mes cercles merveilleux. Hélas, je crains que cela ne prenne du temps. Alors, un jeu de... Nanana. Je lis pas tout. J'essaie de prendre le mot-clé. Décidez de prendre la première chose que je verrai. Ouais, en fait, il raconte sa vie, quoi. Allez, voilà, c'est tout ce nom qui me vient à l'esprit lorsque je pense à la première danseuse. J'ai peut-être été un peu long. Mince. Ouais, ah, je pense qu'en vrai, dans son compte, là, enfin, dans ce qu'il me raconte, il y a un indice pour lui faire un cadeau. Ah oui, il faut changer de CD. Bah, c'est peut-être pour ça que je les ai pas fait. En plus, moi, je sais pas comment on change de CD sur Dockstation. Est-ce que ça va fonctionner si, par exemple, je reviens sur une zone? Coucou, petite pelle. Tu as triangle stratégie? Trop bien. Moi, je pense que je vais le recevoir aussi, là, dans pas longtemps. J'attends ma manette aussi de PS4. Alors, il parle de cercle. Un jour humide, l'étoile s'abîme. Il a jeté une peinture. Peut-être que je dois la récupérer. Peut-être que je dois récupérer une peinture et la donner en tant que cadeau. Est-ce que je peux trouver une toile abandonnée? Je pense pas, hein. Il l'a jetée, il a dit. Je pense que je vais lui donner la rose. Peut-être qu'il y en a un qui la récup. Non, je pense pas. Hein. Peut-être papy. Papy, il sait plein de choses. Ou alors, maintenant j'ai des indices et je vais pouvoir tout rapporter au Sprigant et de là, il aura des idées. Perso sont niveau 26-27 et je suis niveau 5 de Dragoon. Ah oui. C'est tous des papis. Non. Non, ça c'était parce que j'étais au royaume des nains, petite pelle. Je vais retourner voir le Sprigant pour voir. Quelle heure il est? 10h, ça va. J'ai peut-être le temps de finir le jeu en vrai. Hein. Il est assez court, je crois que tu peux le finir en 3 heures. Alors, vous devriez trouver quelque chose, oui. Je crois en savoir assez à présent à propos de la première danseuse. Mais j'en tremble déjà rien qu'en songeant à parler d'elle. Qu'avez-vous découvert? Que dois-je faire? Elle adore le poisson, elle déteste les pêches au sirop, je n'ai aucune chance, ou elle-même. Calmez-vous, vous êtes si nerveux, vous ne ferez pas bonne impression. Vous capis, ça va? Je sais, oh non, je ne veux pas. Le fait est que je viens de réaliser que je n'ai pas le temps de m'entraîner. Dans quelques minutes, ma chère étante va s'enfermer dans son vestiaire et elle ne sortira pas avant ce soir pour le bal d'ouverture. Tous les habitants de cette forêt y assisteront et j'aurai perdu ma chance. Et mon amour, parce que d'autres prétendants la courtiseront. Je me suis fait avoir, je dois aller lui parler désormais, c'est maintenant ou jamais. C'est un véritable dilemme. Serez-vous capable d'apprendre par cœur ce qu'il faut dire en si peu de temps? Impossible! Bientôt, prince. Vous devrez venir avec moi et suggérer quoi dire sur place. Je dois gérer. Je ne peux pas aller pire que maintenant. Tout de suite, là maintenant. Ah, bah j'y rejoue un petit peu aujourd'hui, Capi. Et ouais, trop bien, Tales of Phantasia. Trop bien. Mais super dur en vrai. Hein.
Et aujourd'hui, ça vache en week-end, ouais. Et aujourd'hui, on fait 3 jeux, donc si tu veux voir la suite de Tales of Phantasia, je vais le faire vers 13h à peu près. Alors, va falloir la courtiser. Bon, ça va, y a personne à part les princes morts. Oh, ma douce fée, la première danseuse se démarque sur cette scène. Écoutez mes paroles. Qui êtes-vous? Je suis très occupée. Pardon, je veux dire... non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je veux vous dire quelque chose d'important avant le concert. Je vais vous chanter un court poème. Oh yes, il va falloir que j'improvise un poème. Les roses sont rouges. Les violettes sont bleues. Je vous aime bien. Hein? Vous avez gâché trop de mon temps. Disparaissez de ma vue, ce brigand vert d'âtre. Oh, ma fée, attendez, laissez-moi régler ça. Nous en avons eu assez de vous, ce brigand. Nous, les fées, n'avons rien de plus à partager avec vous. Adieu. Je crois que j'ai brisé un petit cœur, là. Goût soliste, ça va? Les jeux vitraux, c'est chouette. Je sais pas, je m'en rends pas compte. En plus, comme je parle beaucoup, j'essaie de suivre le chat en même temps. Du coup, je sais pas si ça vous plaît ou quoi, ou si tout le monde est parti. Prince, ma vie est finie. En fait, c'est un peu... J'ai l'impression de vous raconter un conte, en fait. Il est trop joli, ouais, le jeu. Ma vie est finie, pourquoi vivrais-je maintenant que mon amour s'est achevé, avant même d'avoir commencé? La vie n'a plus de sens, à présent. Ah, mon prince est mort, il a échoué. Ok, j'ai échoué, oh je suis devenue un sprigant. En tenue rouge, il s'appelle Little Briar Rose, soliste. Ah, Dynasty Killer, je crois que j'ai tué beaucoup de princes. Ah, le prince Philippe II, c'était le prince du début du jeu, je crois. Ok, j'en suis déjà au roulement numéro 2 des princes. Alors, il va falloir que j'ai des indices pour lui donner un... Pour lui donner une idée de poème. Bonjour Will and Will. J'adore découvrir une nouvelle chaîne Twitch et un très joli jeu d'aventure en prime. La journée commence bien. Ah, bah bienvenue du coup, Will. Alors, juste pour te résumer, je fais un jeu récent. Je crois que Little Briar Rose, il est sorti, je crois, en 2020 ou en 2019. Je crois qu'il est très récent. Mais par contre, tu es sur une chaîne rétro gaming, RPG, bah point and click, et je fais du FMV aussi. Donc, si jamais tu te demandes, parce que ça, c'est un jeu récent, mais j'en fais très peu. Bon, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien m'aider à faire un poème, je pense, hein. Ah, seriez-vous par hasard un poème susceptible d'être déclamé à une délicieuse jeune fille? Eh bien sûr, j'ai toujours pratiqué l'art de la poésie juste avant le déjeuner. La faim me sert de muse, écoutez cela. Ah, j'avais pas parlé au bon personnage, j'ai perdu un prince à cause de ça. Gentille fée, amie, tu es brillante comme l'aube, et je pourrais me noyer dans ton odeur de pourceau. Ah, c'est pas du tout un bon poème, ça. C'est mieux d'être avec toi qu'avec de voraces sauterelles. Vous tenez mon cœur charmé. Ne me laisse pas tomber, je compte sur toi. C'est nul comme poème. Moi, ça me charme pas du tout, en tout cas. Et lui, il dort, là. On dirait qu'il s'en sort très bien. Et lui, il sait faire de la poésie ou pas? On vous chauffe des gens poètes. Du William Shakespeare, c'est un peu ça, ouais. Je pourrais me noyer dans ton odeur de pourceau. Si vous les draguez, ne dites jamais ça, hein. C'est mort. C'est mort. Peut-être les tritons, ils savent bien les poésies, peut-être. J'ai pas été les interroger. Ah. Ah, les longues promenades au bord du lac. Nous l'aurions fait, près du bal, sans mal de gorge, à qu'elle attrape froid. Ah, elle attrape froid. Et elle aime le lac. Non, elle aime pas le lac. Le secret de ma beauté éblouissante. Ok, on s'abête pas. Ah, attendez, il y a un poète. Je sens l'inspiration venir. Voudriez-vous entendre mon poème? Ouais, carrément. Lorsque le soleil se lève de bonne heure et que je vois sa douce lumière embrasser vos cheveux, je me sens légèrement envieux en admirant ce moment de bonheur. Si je pouvais tenir et toucher la beauté et la saisir fermement, oh mon amour, ce serait comme de toucher vos douces lèvres avec tout l'amour dans mon cœur caché. Faites-moi savoir comment ça s'est... C'est beau ou pas ce qu'il a dit? Je sais pas. De la fille complètement insensible. C'était bien ou pas? À une fleur. Avec une rose, non?
Attends, il a dit une fleur d'une... la rose, je pense que c'est beau, une rose. Enfin, moi, je trouve ça beau, en tout cas. Ça semble plus romantique que l'autre, on est d'accord. On est d'accord. Ton odeur de pourceau, je pense que c'est mort, hein. On va pas lui proposer ça. Le goût des fées. Bon, je pense que j'ai le bon truc. Legend of Kyrodia, je le connais ce jeu-là, mais je l'ai jamais fait. Là, on est sur Legend of Dragoon, Tales of Phantasia, et Jeanne d'Arc PSP. D'ailleurs, vers 11h, je vais passer à Jeanne d'Arc PSP, et Tales of Phantasia vers 13h. Je coupe aujourd'hui les streams en 3. Bon, j'ai trouvé. Quelle couleur devrais-je porter ? En vrai, je sais pas trop. Je pense que le vert, c'est la bonne couleur. Après, elle a dit qu'elle aimait pas trop le vert tout à l'heure. Bon, je recommence. Et on va lui donner le poème du triton. Voilà, le poème du triton. C'est beau ce qu'il dit, je crois, non ? Des mots si doux venant d'un sprigant, mais quelle surprise! Vous avez mon attention. Pour une beauté comme vous, j'ai apporté quelque chose au moins aussi beau. Oh, je vais lui donner une fleur rouge. Bah, je sais pas, Master, il fallait que je choisisse la tenue, en fait. Et chaque personne m'a dit rouge, vert ou bleu, donc à moi de discerner un peu le vrai du faux. Ma couleur préférée! Oh, j'adore les fleurs, en particulier les rouges. Bon, je pense qu'il a pas la bonne tenue, mais on sait maintenant que le rouge, c'est sa couleur préférée, effectivement. On dirait bien que vous avez préparé beaucoup de choses pour ça, mais vous portez du vert en référence à nos traditions. Oh, j'apprécie l'effort, mais je n'aime pas ceux qui pensent comme des personnes âgées. Aïe, aïe, aïe. Vous avez gâché beaucoup trop de mon temps, disparaissez de ma vue. Bon, faut que je me mette en tenue rouge, je pense. J'ai perdu mon prince. Ok. J'ai reperdu un prince. Je pense en vrai, il faut que je mette la tenue soit bleue, effectivement, soit rouge. Mais comme elle dit que le rouge, c'est sa couleur préférée, je pense qu'en vrai, c'est rouge, non ? Édouard 2. Viens, Édouard, on y va. Donc, je récupère ses affaires, blablabla. J'ai perdu au moins 10 princes, là, en vrai, depuis le début du jeu. Bon, alors, tu devrais porter du... Merde, j'ai mis bleu. Mince, je me suis trompée. Bon, Master, j'ai pris ta couleur. Bon, il est bleu, il est assez stylé. Le poème du triton. Et je vais lui offrir une rose rouge. Ah mince! La tenue que vous portez est drôle. Vouliez-vous m'inviter au bal habillé ainsi? Pourquoi n'essayez-vous pas de demander à un triton? Il apprécierait davantage votre goût vestimentaire. Vous avez gâché beaucoup trop de mon temps, disparaissez. J'ai perdu 3 fées en 2 secondes. Bon bah effectivement, il fallait que je mette peut-être la couleur rouge. Et si c'est pas la couleur rouge, eh ben je ne sais pas. Aïe 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 aïe. Le prince Charles 2. Allez, on y va, prince Charles. J'ai tout faux. C'est super dur, en vrai. Hein. Enfin, super dur, c'est pas intuitif. Alors, j'ai trouvé. Tu dois porter du rouge. Hop. On va lui lire le poème du triton. Le poème du triton, c'est OK. Bon, il est beau, hein. Désolé, mais si t'en veux pas, t'as pas de goût. Hein. Il est beau. Voilà. Et je vais lui offrir une fleur rouge. Ah, votre confession me laisse sans voix. Vous m'apparaissez comme un chevalier vêtu de rouge pour me demander ma main, comme dans mes rêves les plus secrets. Comment le saviez-vous? Après la fin du spectacle, je me ferai grande joie de vous préparer une recette propre à mon peuple. Accepterez-vous de me joindre? Elle aime pas trop le lac. Ah, je sais pas. Mince. Je pense que si on l'invite chez lui, ça craint peut-être. Hein. On va dire le lac, mais je crois qu'elle aime pas le lac parce qu'après, elle est malade. J'ai peut-être pas tout. On va mettre l'esprit gant parce que je crois que le lac,
Elle s'y balade beaucoup, mais elle tombe malade. Oh, que c'est bien. Et quel est le plan pour la soirée? Excusez ma curiosité, mais je ne peux pas attendre. Nous parlerons de mode. Enfin, ouais, j'ai eu... Elle aime bien l'art. Elle aime bien l'art, donc je pense que la mode, c'est ok. Intéressant. Vous êtes le premier Sprigant aussi accro à la mode que je rencontre. Cela sera comme sortir avec mes amis si... Oh mince. Oh non. Oh non. J'ai perdu encore un prince. Elle veut pas parler de mode. Mais elle aime l'art. Il est friendzonné. Si, mais si, le gnome master, je l'ai fait. Et il disait qu'elle aimait l'art. Mais du coup, peut-être elle aime manger, hein. On aime tous manger, hein, non? En tout cas, moi, ça marche avec moi. Sauf si c'est une fée qui fait attention à sa ligne. Bon, les anecdotes du maître en peinture. Parce que là, il parle de la fée, en fait. Non, je pense qu'il me manque juste le dernier truc. Il faut pas parler de mode. Il faudrait lui parler de nourriture, peut-être. Je vais aller voir. Le pauvre, il me fait trop de peine. Ou alors, peut-être qu'il faut que je reparle encore à... Je pense que j'ai tout, hein. Allez, on part du rouge. Hop, on y retourne, je speedrun. Donc voilà, ça c'est bon. Donc je vais lui offrir une rose. Le poème du triton. Ensuite, je lui donne une fleur rouge. On va l'inviter chez nous, à dîner chez moi. Et on va parler de nourriture. Vous êtes sérieux? Une nuit complètement gâchée à parler de graisse et de protéines? J'ai presque cru que vous, les Sprigants, vous pouviez penser à autre chose que la nourriture de temps en temps. Oui, mais si on parle des insectes, elle aime bien ou pas? Oh non! Bon bah, je vais parler d'insectes, mais c'est super bizarre, non? Quoique... Je pensais vraiment qu'il y aurait parlé d'art, pour le coup, dans les suggestions. Je crois que j'ai repris le prince de tout à l'heure, j'ai refait le tour. Je vais aller à prince numéro 3, là, si ça continue. Bon, j'ai trouvé quelque chose. Tu dois porter du rouge, on va y arriver. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis, du coup, les esprits de la nature. Alors, parler du poème du triton. On va lui offrir une fleur rouge. On l'invite chez nous dans notre maison. Elle ressemble à un gros papillon. On va parler d'insectes. Vous vous intéressez aux insectes aussi? Oh, que c'est merveilleux. Oh bah, oh yes. Ouais, les papillons sont mes préférés. Fais gaffe à ce que tu dis, la fée, c'est un peu un papillon. Hein. Puis-je oser vous demander si vous êtes libre après le bal? Je suis la première danseuse et il y a beaucoup de choses à préparer. Oh, mais je vous en prie, ne disparaissez pas. J'assisterai à votre danse et je vous admirerai, comme on l'attendrait d'un vrai prétendant. Votre invitation me remplit de joie. Après le bal, retrouvons-nous chez moi pour le dîner. Je serai là pour sûr, mon chevalier. Oh, je crois que j'ai réussi. Oh là là, j'ai obtenu le titre mendiant. Ah, le jeu de la drague. Tous les trophées. Comme c'est beau, on a réussi à créer un couple improbable. Bon, par contre, ça nous aide pas à réveiller la princesse Aurora. Hein. Allez, ouf, le vœu d'esprit gant. Je pense que je suis à la fin du jeu. Je sais pas s'il est là, Patakès. J'ai pas envie de le délurquer en même temps. Alors, je peux partir de par là. Tac, tac, tac. Tac. Ensuite. Ouais. Ça m'a l'air ok là, non? Ah non, bah du coup ça bloque ici. Là, c'est bon. Et là... Là, faut que ça reparte par là. Ah oui, mais du coup...
C'est presque bon. Faut juste que je tourne le bleu. Ah mais j'ai pas trop de sorties en fait. C'est ok là. Ah c'est parce que ça crée le chemin en fait. Ouais on est bon. Ça j'aime bien, je trouve ça cool. En plus t'as le chemin déjà tracé donc tu peux pas te tromper. Bon alors prochain tableau, chez qui on va? Je pense qu'on est à la fin parce que je crois que le dernier prince se transformait en Sprigan. Et après ça revenait au gnome. Donc je pense que je suis à la fin du jeu là. C'est ça, j'ai débloqué l'entrée pour le château. Donc je pense que je vais finir le jeu bien avant 11h. Il est vraiment très cool. Voilà, ma princesse attend derrière ses murs. Ah, on va aller sauver la princesse Aurora. Avant, c'était une cour de château. Le temps s'est arrêté dans le royaume et on dirait que les gens ont fait de même. On dirait des statues. Oh. Ah, je l'ai trouvée, ma belle princesse. Voulez-vous embrasser la princesse? Non. Ah merde, j'ai pas le choix. C'est peut-être un bait, non? Oui? Bon, je l'embrasse. J'ai pas le choix, hein, c'est la belle au bois dormant. Le petit cœur. Rien, votre princesse est dans un autre château. Quoi? Rien ne se produit. Comment ça, your princess is in another castle? Bon bah je m'en vais alors, salut. C'est qui ma princesse? Ah! Prince? Déjà de retour. Pourquoi? Que s'est-il passé? Rien, c'est bien le souci. Que voulez-vous dire? Je pensais qu'embrasser la princesse lèverait la maléfice, mais rien ne s'est produit. Oh, prince! Je suis tellement désolée, cela signifie que votre baiser n'est pas d'un amour véritable. Quoi? Seul un baiser d'amour véritable peut briser le maléfice. Je crains que vous ne puissiez commander le cœur. Cela dit, je suis désolée. Je vois, je suppose qu'il n'y a rien de plus que je puisse faire pour donner à cette histoire une fin heureuse. Alors, je vais retourner dans mon royaume et... Attendez, vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Il y a encore un espoir. Mais ça, je fais. Vous venez de me dire que... De nombreux princes ont essayé avant vous. Peut-être que le baiser d'amour véritable viendra de l'un d'eux. Le maléfice leur a volé leur forme et l'eau bénie de cette fontaine peut la restaurer. Trouvez les princes qui se sont perdus dans la forêt avant vous et amenez-les à la fontaine. Le véritable amour doit se cacher dans l'un d'eux. Oh, j'ai tué tellement de princes en plus. C'est une quête un peu différente de ce que j'avais imaginé, mais si c'est ce qui doit arriver... Vous allez tous nous sauver. Nous croyons en vous. Donc, du coup, en gros, si tu speedrun le jeu, le premier prince que tu as, c'est le... Si tu suis la logique du jeu, si tu meurs pas et que tu connais le jeu par cœur, le premier prince, c'est celui avec qui tu dois finir le jeu. Donc le premier prince, c'est le gnome. C'est le gnome qui est du côté de la maison, là. Il est où? Lui. C'était lui à la base. Comment il le transporte? Allez, lâche-moi tranquille. Je pense que c'est lui, hein, en vrai. Allez, on va prendre un bain. Comment il l'a jeté? Normalement, si tu suis la logique, c'est lui. Mon Dieu, où suis-je? Vous êtes à présent dans la forêt enchantée et vous avez retrouvé l'apparence que vous aviez avant que la malédiction ne vous frappe. Laissez-moi vous expliquer. Espérons que vous soyez vraiment le prince qui puisse donner à Aurora un baiser d'amour véritable. Je vois, c'est très noble de votre part. Merci pour ce que vous faites. Bon, on va voir si le jeu a la logique... Mais non, non, c'est toi que je... Voulez-vous prendre le contrôle de ce prince? Bien sûr. C'est le tout premier prince du jeu. Alors, moment de vérité. Je crois que ça a marché. Oh, ça a marché! Oh là là!
Je crois que j'ai fini le jeu, c'est bon. Tous les autres princes, par contre, ils peuvent... Tous les autres princes, par contre, ils restent en papillon et en sprigant. Oh, j'aime ça comme si j'avais dormi pendant des années. Êtes-vous prince charmant, mon sauveur? Vous êtes finalement réveillé? Oh, cela fait longtemps que j'attends ce moment. Oui, je suis celui qui vous a réveillé de votre sommeil enchanté. Je dois remercier tous les princes qui ont combattu le maléfice avant moi. La malédiction est désormais rompue et je n'aurai jamais réussi à faire cela tout seul. Votre royaume va revivre, ma princesse. C'est pas un kidnapping, ça. Je sais pas. Elle a l'air contente quand même. Je vous serai toujours reconnaissant. À vous et à tous les héros qui m'ont sauvée. J'ai dormi trop longtemps. Je ne peux pas attendre plus longtemps cet événement. Un festival aura lieu. Princesse Aurora. Mon prince charmant. On a bien fait de l'avoir fait pour la Saint-Valentin, ce jeu, en vrai. Hein. Oh là là. Je crois qu'on a fini le jeu, c'est bon. Hein. Et les autres princes, c'est des fées ou pas? Un jeu de Elf Games. Merci Elf Games, c'est un beau jeu. Pouet pouet. Ah, tu l'as trouvé solo, le pouet pouet. Je l'ai changé à la place de Boom, du coup. Sur la typo de Final Fantasy. Et ben c'était un beau jeu, très cool. T'as un peu l'impression de lire un conte au final. Les énigmes sont faciles. Oui, je l'ai changé, je l'avais dit hier, et c'est vrai que je sais jamais comment réorganiser mes emotes. Trop d'emotes pour pas assez de slots. Du coup j'ai fait comme ça. Enrico Rosomando. Bravo, c'était bien. Une DA stylée, hein. Eh ben merci beaucoup. Version française, non pareil, Madingue. Madingue, ça me dit quelque chose, ça. Comme pseudo. Remerciements spéciaux. rpg2s.net community. Et voilà, la fin. Happy Lee Ever After. Trop bien. Ah bah là, c'est pour ça que ce pseudo me dit quelque chose, Astolat. Et ben c'était très cool. Je sais pas si vous avez apprécié